Comme tout le monde, la famille Pelletalouse n'a rien vu venir. Et pourtant, ce ne sont pas les signes qui ont manqué. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, les Pelletalouse jetaient toutes leurs ordures dans la même poubelle sans faire attention. C'était alors au centre de tri de faire le travail. Puis, peu à peu, les choses ont changé. Cela a commencé par les piles qu'il ne fallait plus jeter à la poubelle, mais dans un conteneur identifié. Suivirent les ampoules, puis le papier, le verre, le plastique, le carton, puis le composteur est arrivé dans le jardin où l'on y jette les restes alimentaires. Alors forcément, la suite, il fallait bien fatalement qu'elle arrive un jour. Il est 5h30 du matin, 3 coups de sonnette pour prévenir et les clés du camion poubelle déposées dans la boîte aux lettres. Pas de doute possible, cette semaine, c'est bien leur tour d'aller ramasser les ordures de la ville. Ainsi, la boucle est bouclée. Mais bon, quand on ne paye plus de taxes d'habitation, ça vaut bien quelques petits sacrifices. Freine doucement, tu vas me faire casser la gueule dans la broyeuse. Oh, mais je fais ce que je peux, merde. Oh!